Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. On se retrouve aujourd'hui pour l'avancée du tank RC et du bras robotisé. Donc on a assemblé l'électronique sur le bras robotisé, on l'a installé sur une petite planche pour pouvoir le tester. Donc ici on a installé un cerveau ici qui va servir à articuler ce bras-ci pour le mouvement du bras. Vous avez ici de l'autre côté un cerveau qui sert à ce mouvement-ci et vous avez un cerveau qui sert de rotation ici dans la petite cage. Voilà, donc c'est branché sur une radio en 6 canaux mais ça en utilise que 3. Donc on va sûrement utiliser les canaux restants pour le pilotage du tank. Voilà, donc ça a pas énormément de force. Mais ça a suffisamment de force pour déplacer un petit bloc de pile. Le gripper ici, vous avez le gripper ici qui est déjà assemblé, qu'on doit venir fixer ici sur le bras. Ça va pas attraper énormément de choses. Vous voyez, ici on est en serrage maximum, donc on va peut-être mettre une petite cale de chaque côté pour pouvoir pincer un peu mieux. Ensuite, ça va être d'installer le bras sur le tank, donc on a des modifications de pièces à faire au niveau de la structure du tank et installer l'électronique. On vous montrera ça dans une vidéo assez prochainement. On a quelques soucis de tremblement des cerveaux qui sont dus à la lipo en 7,4 V alors que le récepteur fonctionne en 6,5 V maximum. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui pour l'avancée du bras robotisé, on a testé aussi vite fait le FPV sur le Defender en petite session crawler. On va essayer de vous faire une vidéo assez rapidement aussi du FPV sur le crawler en attendant les pièces pour le tank pour pouvoir adapter ça sur le tank directement. Voilà. Vous pouvez retrouver les liens de l'électronique dans la description de la vidéo et sur l'article de notre site internet www.rctuto.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatizobi, Banggood et Dagoma. Merci et à bientôt.